Et salut à tous, c'est le Casseur de Gaming. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma reptile room, donc là où je tourne mes vidéos et je garde mes reptiles. Alors là vous pouvez voir Maurice qui est un Pogona Vinticeps, qui est tout simplement le plus vieux de mon groupe. Il mange très bien, on l'a eu parce qu'en fait un homme ne pouvait plus s'occuper de lui. Donc du coup on l'a récupéré. Il mange très bien, il est très docile et il aime bien se faire porter. Bon, là il a pas voulu que je lui fasse des gratouilles, mais par contre entre les yeux là, il adore ça, les petites gratouilles. Voilà. Donc du coup on va passer à Fève, qui est notre caméléon casqué du Yémen. Alors ce caméléon casqué est aussi docile et on l'a eu en animalerie. Alors personnellement je trouve qu'elle est magnifique avec ses couleurs. On est parti sur un flexarium avec des plantes naturelles. Malheureusement, en fait, il y en a pas mal qui sont mortes. On ne sait pas pourquoi, avec un brumisateur automatique. Alors, ici, on peut voir un éclairage plutôt pas mal. Avec bon, bah, des plantes en plastique, vu que bah, ça défonce un peu les plantes, des fois aussi, ça. Ici on peut voir de la mousse normalement qui est fait pour les amphibiens, mais en fait ça garde très bien l'humidité la nuit je trouve. Donc du coup je l'ai pris pour aussi une autre bête, vous allez voir. Alors là on peut voir mon serpent des blés que j'ai eu en 2018, alors qu'il arrivait juste après le Pogona. C'est un serpent très docile, il aime bien se faire porter. Et il a bien grandi depuis 2018, parce qu'avant il mesurait que 20 cm, là je dirais qu'il mesure au moins 1m10, hein. Et c'est pas une blague. Alors il mange très bien, il m'a mordu qu'une seule fois, c'est incroyable quand même pour un serpent, qu'une seule fois il mord quelqu'un. Et ça le dérange pas trop des fois de se faire porter, bon là il veut vraiment pas, donc je vais le laisser tranquille je pense. Donc je vais remettre ça, et on va passer à mes geckos léopards, qui sont... tout simplement magnifique. C'est les derniers animaux qui viennent d'arriver. Ce sont des ce sont des geckos léopards du coup. Alors elle, vous pouvez voir, c'est le gecko léopard qui s'appelle India, donc ce sont tous les deux des femelles. Et celle au fond, elle s'appelle Everest, parce qu'elle est un peu blanche je trouve, comme le sommet de l'Everest. Alors, du coup, quand je vous parlais de la mousse, voilà, c'est pour eux, parce qu'en fait, ils aiment bien l'humidité dans leur cachette. Donc, du coup, la mousse est plutôt pas mal pour eux. Ils ont une grande cachette, et ils sont tout petits aujourd'hui, mais je me dis que bientôt, ils feront 25 cm quand même. Donc, ils seront aussi gros peut-être que mon iguane. Et pourtant, ils pourront vivre là-dedans toute leur vie, c'est incroyable quand même. Alors, ici, on peut voir des petites LED qui me permettent de voir la nuit, mais ça les dérange pas, au contraire, ça leur fait comme la lune. Et un petit éclairage, pas chauffant, hein, juste pour embellir tout ce qui chauffe, c'est juste le tapis. Bon, lis ce qu'il y a dans la gélule, voilà, tu connais. Viens sur mon compte Discord, enfin sur mon serveur Discord, les gars, il n'y a personne. Comment ça se fait? Vous êtes 47 maintenant. Comment ça se fait que vous ne venez pas?